le port droit du voile et le débat créé récemment par la commercialisation par certaines marques de vêtements à destination des femmes musulmanes. Non, ce n'est pas un phénomène de mode. Non, ce n'est pas une couleur qu'on porte, non, c'est un asservissement de la femme. Aujourd'hui, le chef du gouvernement en est certain, la question identitaire sera l'un des enjeux majeurs de la future élection présidentielle. Et pour réagir ce soir, Marwan Mouhamad, directeur exécutif du collectif contre l'islamophobie en France. Bonsoir. Bonsoir. Euh, il a raison ou pas, Manuel Valls quand il dit ça Manuel Valls quand il dit ça, il est dans la droite ligne de son idéologie, de ses idées. Il est en train de se radicaliser. Il utilise des mots qu'il n'est même pas capable de définir, et donc il met l'incendie au pacte citoyen euh, français. Euh, il, il est a... en train de se radicaliser. Vous nous dites ce soir. Vous avez conscience du, du évidemment, du, du mot qui est extrêmement connoté, totalement. Et c'est pour ça que je l'utilise à dessein, parce que le problème à mon avis, dans la société française aujourd'hui et notamment dans l'espace public, ouais. c'est que dans l'espace médiatique et politique de notre pays, ouais. on s'autorise désormais à dire des choses qui sont dans l'outrance. On a des ministres qui sont actuellement en fonction au gouvernement qui font des déclarations, je cite, sur les nègres américains qui seraient pour l'esclavage, sur des femmes voilées... C'était une maladresse, elle s'est excusé depuis Laurence bon. Rossignol là-dessus. C'est pas une maladresse, elle est revenue sur le qualificatif en d'abord confisquant la parole des premiers intéressés et puis ensuite pour confirmer la marginalisation d'un autre groupe dans la société, à savoir notamment les femmes voilées, dont Manuel Valls, pas plus tard qu'hier, nous disait qu'elles étaient asservies. Monsieur Alors, Manuel Valls, ouais. en l'occurrence, c'est de quoi il parle quand il parle d'asservissement. L'asservissement, c'est quand un Premier ministre de la République s'écrase devant des dictateurs et des assassins pour leur vendre des contrats d'armes. Ça, c'est de l'asservissement. Est-ce que vous n'êtes pas aussi, vous, dans l'outrance euh, quand vous dites ça On rappelle que votre association, le collectif contre l'islamophobie en France, il est souvent pointé du doigt pour des liens avec, euh, avec des salafistes. Il y a des, des personnalités salafistes en France qui assistent à certains de vos dîners. Votre, votre discours, il emprunte ça aussi est-ce dans... est que les salafistes ne sont pas eux-mêmes radicalisés? Vous le connaissez ça ou on pas? Est dans une démocratie, dans une démocratie, la règle c'est la loi, et oui. donc tant que quelqu'un n'a pas été condamné ou n'a pas été euh, fautif dans ses discours ou dans ses actions, on considère qu'il est libre et innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est pas un peu facile ça quand même? Il y a des propos parfois qui vous choquent forcément. Quand l'imam de Brest, l'ancien imam de Brest, dit que ceux qui, les enfants qui écoutent de la musique vont être transformés en porcs, me dites pas que ça vous choque pas? On est autour d'une table et on est tous avec des opinions différentes sur des sujets différents. Le pari de la démocratie, c'est de croire que au sein d'une population aussi diverse que la population française, on peut ouais. coexister, on peut vivre ensemble sans être tous alignés sur les mêmes positions les uns et les autres. Donc je peux participer à une réunion avec des gens avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, des gens qui sont d'autres partis politiques ou d'autres opinions. Vous n'êtes pas peux... d'accord, pour que les choses soient claires, vous n'êtes pas d'accord avec les salafistes qui disent ce genre de, de, sur... de choses sur... Vous survi... n'êtes pas d'accord avec les frères musulmans Alors sur les positions des uns et des autres, sur la base des discours, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis totalement pas d'accord, que ce soit dans l'approche du vivre ensemble, que ce soit dans la manière de considérer les gens qui sont d'autres religions, que ce soit dans la manière de... Euh, euh, de se définir comme citoyen ou en tant que musulman ou autre, d'accord. Il y a des choses sur lesquelles, à la fois dans le discours comme sur le fond, je peux être ponctuellement la burqa, dans par exemple. Ça vous choque la burqa ou pas La burqa, jusqu'à preuve du contraire, tant que c'est un acte choisi, que ce soit euh, 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 à l'étranger ou dans une pratique culturelle, puisque quand on parle de burqa, c'est pas un phénomène qui existe en France. C'est une pratique culturelle qui existe dans des pays comme l'Afghanistan ou le Pakistan. Par contre, quand une femme décide de se couvrir les cheveux ou qu'elle décide de porter un voile, à partir du moment vous où c'est un choix, vraiment choisi à chaque... Fois. Il faut les interroger, il faut interroger les premières intéressées. Moi je note aussi que sur les plateaux télé comme dans le débat public, ouais. les premières intéressées sont absentes. Donc ma position c'est la suivante. À partir du un moment où une femme euh, est libre comme elle est censée l'être dans notre démocratie française, qu'elle choisisse de porter une jupe, un pantalon, un foulard ou un t-shirt, c'est son choix. Et ce n'est pas un féminisme que de considérer qu'il faut leur dicter les modalités On de... Refuser de serrer de faire la main d'une femme, ça vous choque ou pas je euh, euh, n'ai pas de commentaire à faire, je n'ai pas euh, une connaissance qui est que le mode de salutation obligatoire quand on se croise dans la vie, c'est de se serrer la main. Je fais la bise à certaines personnes, je serre la main à certaines personnes, et chaque citoyen est libre de cette. Ça ah, euh, justifie tout, euh, vous comprenez cette, que ce soit choquant de, 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 de refuser de serrer la main à une femme Il euh, y a un dispositif, là, on est en train de le vivre exactement. Ouais. On vient pour commenter les déclarations de Manuel Valls, ouais. et je finis. Mais parce que, fait... que vous dites qu'il est radical. Or, évidemment, on peut, dans, dans ce que vous dites, j'interroge votre questionnement et j'interroge la manière dont on est en train de discuter ensemble. On ouais. vient pour commenter les déclarations d'un politicien qui nous explique que des citoyennes françaises sont dans un mode d'asservissement et qui est en train de pointer du doigt 4 millions de musulmans et je finis dans la position du musulman qui serait censé justifier des déclarations qui ne sont pas les miennes. Donc interrogez-moi sur ce que je dis et ce que je fais, interrogez ce que je fais depuis position... tout à l'heure, je vous interroge non, non, sur ce que vous, vous dites, interrogez sur les déclarations d'un tel et d'un tel et d'un tel. J'arrive sur un plateau télé, vous me posez des questions sur ce que j'ai déclaré, sur ce que j'ai fait, je vous réponds sans problème. C'est pour clarifier les choses, c'est pour tenter d'entendre des... votre position claire. Voilà, c'est interroger un musulman pour lui demander de se justifier des déclarations et des uns et des autres. C'est précisément le mécanisme d'essentialisation qui. Participe aux amalgames. Donc, si vous avez un intérêt dans la position de l'imam de Brest, vous l'invitez sur ce plateau télé, vous lui posez des questions. Si vous vous demandez ce que pensent les femmes qui portent le voile intégral ou le voile simple, vous les, intéressez, vous les invitez ici, puisqu'elles sont les premières intéressées. Et si vous me posez la question en tant que responsable associatif de quelle est la portée des discours de Manuel Valls, je vous dis qu'elle participe à la stigmatisation des musulmans en France et qu'elle est indigne d'un Premier ministre. La vraie question aujourd'hui, c'est celle de la question sociale, de la question économique, de la question environnementale. Et peut-être que ce chômage, il il suffirait de dire à Manuel Valls qu'il est islamique pour lui motiver, pour lui inciter justement à s'en occuper, à les gérer, puisqu'apparemment il n'y a que le problème musulman qui lui intéresse aujourd'hui. Merci Marwan Mohamed pour être venu ce soir dans la newsroom sur LCI. On va parler maintenant d'un tout autre sujet.